Monsieur Pavel, où sommes-nous ici ? Saint-Denis d'Anjou. Petite cité de caractère du sud de la Mayenne, exactement dans le Haut-Anjou, village de 1500 habitants. Nous y sommes, enfin je parle de la famille, naturellement, en quatrième génération, ici, venant de Château-Gontier, sous préfecture qui est à 20 km, là. Et là, vous êtes dans l'atelier, spécialisé dans la restauration du mobilier français, essentiellement du XVIIIe siècle. Sont avec moi trois collaborateurs que j'estime énormément, un peu comme ma famille, avec Yvan Berthelot, qui est là depuis 12 ans maintenant dans l'atelier, qui travaille sur une console d'époque Louis XVI en bois doré. Cyril, qui est juste à votre gauche, qui a été reçu meilleur ouvrier de France il y a 3 ans, après un très beau travail sur une commode d'époque transition estampillée de fromageau. Et puis Yann Laclar, qui est le dernier à être venu nous rejoindre. Yann, qui est originaire et qui vient de La Rochelle, par un de mes confrères de la CNES, après être passé dans son atelier pour ses premières années de formation, il est venu nous rejoindre. Et à quel moment fait-on appel à un expert en mobilier 18e ? Ah, écoutez, alors ça, c'est une question pertinente. Définir un objet pour son authenticité, c'est la première chose. Regard extérieur. Première chose, l'étude stylistique, et le deuxième, c'est l'authenticité, regard intérieur. Alors, nous pouvons le faire en fonction des désirs de certains collectionneurs, mais nous le faisons aussi bien pour des salles des ventes aussi, que nous travaillons, nous officions avec, en collaboration. Je parle pour la CNES en général, certains de mes confrères, pour moi-même également, à travers des salles des ventes, ou parisiennes, ou provinciales. Alors, l'expertise est assez difficile. Lorsque j'ai reçu ma carte, je me suis dit, ce sont les problèmes qui vont commencer. Et je ne crois pas m'être trompé. Parce que le plaisir de l'expertise, c'est de découvrir quelque chose qui n'est pas connu. Et de retracer toute son histoire. Le côté désagréable de l'expertise, c'est de faire une contre-expertise et d'apporter une mauvaise nouvelle à un propriétaire. Voilà. Où est la saveur d'un métier ? C'est pas trop difficile d'apporter une mauvaise nouvelle à un propriétaire. Ça peut nous arriver et ça nous arrive. Nous avons récemment reçu quelques éléments appartenant à des meubles passés dans des ventes où nous avons dû intervenir sur un aspect technique, c'est-à-dire déposer les plaquages de leur support, déposer les marqueteries pour retrouver les traces que l'on appelle archéologiques, qui sont des traces de bretté, rabot à dents, griffures, qui sont les traces des bois de plaquage débitées au XVIIIe siècle, et la façon dont la marqueterie est posée ou incrustée sur le meuble, qui nous aide énormément. Donc voilà un chemin que nous avons dû suivre, permis de définir et d'écrire l'authenticité, ou pour ainsi dire la traçabilité un peu d'un meuble au départ du XVIIIe siècle, avec un décor surdécoré. Qu'est-ce qu'un décor surdécoré ? Alors, en porcelaine, on en parle, c'est le mot qu'on emploie plus souvent sur des fonds blancs de cuit et sur lesquels on repeint dans les années 1830. Par exemple, 1780, on fait des blancs en porcelaine, me semble-t-il, à Sèvres, et on en fait et c'est repeint en 1840 ou 1850. Dans le mobilier, nous avons des meubles ou des supports du 18e siècle, et ces supports existants n'ont pas été très bien compris à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que le regard d'une restauration n'était pas celle d'un réel restaurateur. C'était davantage le regard d'un ébéniste ou d'un marketeur qui, avec ses connaissances, se disant « je sais faire, je vais refaire », alors que préserver, conserver était le premier souci à avoir. Alors nos meubles arrivent aujourd'hui dans nos ventes, dans nos ateliers, notre travail étant de déceler le vrai du faux par rapport à la date éventuelle de fabrication. Ceux qui sont propriétaires d'un joli meuble, quelle que soit sa valeur, ont besoin de savoir où il va, quel va être son chemin, ce qu'on va lui faire, parce que vous proposez et vous présentez un service qui représente des heures de restauration, quelquefois, qui peuvent représenter 15 heures, 20 heures pour des sièges classiques, 30 heures, 40 heures ou autre. Puis vous avez des meubles, pour certains, où nous passons 200 heures, 250 heures, 300 heures, vous imaginez un petit peu, donc ce capital engagé. Donc la confiance existe à travers notre savoir-faire, l'aspect technique et technologique, et puis ensuite celui de l'expertise. Mais pour ainsi dire, chaque meuble est doté à la fin
de sa restauration d'un dossier, comprenant peut-être une vingtaine de photos, des textes illustrant les étapes. Et ce meuble, et ce dossier, pardon, reste un suivi pour le meuble, justement, pour sa longévité. Héritage, succession, vente aux enchères, au moins on sait ce qu'il en est. Derrière moi, nous avons une commode qui est en restauration, qui est un meuble intéressant. C'est l'exemple que je prends, il est là, au moment où vous passez nous saluer. C'est une commode époque Louis XVI, qui est estampillée d'un artisan qui s'appelle Cosson, qui reçoit sa maîtrise à Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle est en acajou. Elle possède le poinçon de Jurande de la communauté des ébénistes, menuisiers ébénistes. Et ce meuble-là a, pour ainsi dire, jamais été touché depuis le XVIIIe. Elle est ornée de bronze doré au mercure. Et ces bronzes sont fixés avec certains clous et certaines petites vis, qui sont des vis en fer, qui étaient bleuies au XVIIIe siècle, et qui sont des traces pour nous d'une totale authenticité, qui nous aident à comprendre que ce meuble n'a pas été, ou n'est pas passé dans différents ateliers pour avoir été déposé, reposé, époncé, et nettoyé, et repoli. Le meuble est dans sa parfaite authenticité, à 90 ou 95%. Notre commode, là, qui est en cours, a été déposée de son ornementation de bronze. Les bronzes sont dorés au mercure. La dorure est donc d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une fixation aussi d'origine, avec des vis qui, elles, sont bleuies, avec ce que l'on appelle leur filetage en queue de cochon, comme j'en parlais précédemment, tout à l'heure. Voilà. Alors, ça nous aide dans la totale authenticité de définir un petit peu si un meuble a été touché ou quasiment pas touché depuis le 18e. Alors, les dorures en mercure, en général, sont des dorures qui viennent sur des meubles de grande qualité. C'était quelque chose de cher, hein. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle le vernis ou décor or moulu au 18e siècle, hein. C'est l'or moulu, puisque c'est un mélange de mercure et d'or. C'est fait dans un petit creuset, puisque l'or est fond dans le mercure, hein. Et puis le bronze, lui, est chauffé. On dépose l'amalgame or et mercure avec une petite brosse, si vous voulez, avec des petites fibres métalliques. C'est déposé sur le métal de cette façon, et ça devient légèrement gris, une couleur un petit peu mercure, si vous voulez. Ensuite, le bronze est chauffé, et quand il est chauffé, le mercure s'évapore, et à ce moment-là, l'or vient s'imprégner. C'est ce qu'on appelle l'or mat. Et ensuite, le bronze, différentes parties, est bruni, ce qu'on appelle dorure mat et bruni. Et la ciselure est intéressante. Nous avons les parties qui sont mat, qui sont brunies avec une agate, et ces parties qui sont parfaitement ciselées ici, dans les feuillages, qui donnent une grande profondeur et une vie dans le feuillage, aussi bien dans la partie du bas que dans les guirlandes que nous avons ici, et dans les œuvres, dans la partie supérieure. Ainsi dans les fonds qui sont bretés, la partie haute. Le dessous, lui, sa patine donnée par le temps, qui est sa patine d'origine, qui est importante. Les bronzes sont faits avec des fontes de sable, très important de les comprendre aussi au XVIIIe siècle. Il existe rarement des fontes à la cire perdue, on en trouve davantage dans les bronzes de sculpteurs. Mais dans les bronzes d'ornementation, jusqu'à ce jour, je n'ai toujours vu que des bronzes fondus au sable. Et la fixation est faite avec ces petites vis qui sont filetées à la main, avec une petite queue de cochon, ce que l'on appelle, qui n'ont jamais bougé depuis le XVIIIe siècle. Les bronzes en général, pour les sabots par exemple, comme pour les bagues que nous avons sur cette commode, là, sont des bronzes fondus au sable de la même façon. Et les bronzes sont fondus en coquille, ce que l'on appelle. C'est-à-dire que la bague est faite en deux éléments, fondus séparément. Ils sont soudés, jointés, repris en ciselure. L'association, enfin la soudure de ces deux éléments en bonze est faite à la grenaille, qui est un apport de métal sur le bronze, chauffé, rougi, qui rentre en fusion, qui permet de souder justement nos éléments. Les sabots sont également eux aussi soudés, construits en ce qu'on appelle en coquille, en deux éléments, 95% du temps. Les fontes sont faites au sable. Ensuite, c'est repris en ciselure, correctement au niveau des joints. Tous ces éléments nous aident à comprendre un petit peu le vrai du faux dans la conception et dans la construction.
On peut parler alliage du métal, qui est assez difficile. Je laisse plutôt ça ou la réponse à un spécialiste. Et c'est là où les autres spécialistes de la chambre vous aident à faire une expertise. Oui, ça peut nous aider énormément. Je parlais d'un confrère tout à l'heure, là, qui vient de rentrer dans nos murs, à qui j'ai déjà fait appel, qui travaille sur le plan historique, sur la dorure du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc la dorure au mercure. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on redore au mercure. Nous avons deux ateliers en France qui ont les installations pour recevoir justement ce type ou cette technique et de façon à pouvoir la réaliser. Nous le faisons actuellement sur un meuble du Second Empire qui est très important et on arrive à avoir un résultat de grande qualité. Alors, merci Yann. Alors, la serrure que nous avons, elle est une serrure très intéressante, une serrure à boîtier. Elle appartient à cette commode. Cette commode Louis XVI, donc, qui est en acajou. Et avec un détail qualitatif, puisque la serrure, avec son pen, puisque vous la voyez ici, le pen, le ressort, la clé, est fixée sur une petite platine en métal. Et cette petite platine en métal vient s'embrever dans un petit caisson qui est en laiton. La particularité, c'est que ce boîtier est doré au mercure, comme les bronzes. Ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, si on prend le jour frisant, on aperçoit le passage du balai lorsque le mercure et l'or ont été déposés avant d'être chauffés. C'est un vrai critère de qualité sur le meuble. Certaines personnes pourraient les voir et vous dire « C'est pas vrai, c'est neuf. C'est pas vrai, on n'y croit pas. » Et si, fait rare, notre meuble, quasiment parfait. Quand on peut donner la provenance d'un meuble, on en est ravi. Il y a un gros travail à faire. Maintenant, de temps à autre, nous pouvons le faire. Mais il y a un moment, ça s'arrête. Et vous avez des historiens d'art, qui sont des confrères. Il y a la chambre, on peut parler de M. Palizzi, qui lui recherche tous les blasons héraldiques, qui est un brillant professionnel. Quand vous ne connaissez pas, vous faites appel aux spécialistes. Chacun trouve sa place, chacun a sa spécialité. Et donc, de temps à autre, en fonction d'un numéro d'inventaire sur un meuble, en fonction d'une attribution probable, on peut de temps à autre retrouver ou des sièges ou des meubles avec des sources d'archives relativement précises. Quelles sont les difficultés à restaurer une pièce ? Vous parlez d'une pièce en bronze, j'imagine, d'un accident sur ce meuble ? Sur ce meuble, par exemple, quelles sont les difficultés lorsque vous recevez le meuble dans son jus, dans son état ? Quelles sont les questions qui se posent à vous ? Alors la première, c'est où commencer, où s'arrêter ? Quand un meuble arrive avec sa finition d'origine, ce qui est rare aujourd'hui, vraiment rare, mais ça peut arriver. On y touche le moins possible, parce que ce qui nous arrive, c'est un vrai témoignage de l'histoire et des techniques anciennes. Donc, esprit muséal le plus total, conservatoire. Éventuellement, un recollage s'effectue, une repose d'un bronze défectueux s'effectue, mais sinon, en général, on préserve ce qui existe. C'est la première règle, l'authenticité totale d'un meuble. On peut parler d'une restauration, d'une restitution, d'une transformation, d'une modification, tous ces éléments qui peuvent rentrer dans un vocabulaire aussi qui a rapport avec l'expertise. Parce que où juger une restauration ? Où est la restauration ? Qu'avons-nous fait de cette restauration ? Est-ce que refaire un pied est une restauration ? Est-ce que c'est une restauration ? Une restitution, pardon ? Est-ce qu'un restaurer un plaquage, replaquage, est-ce que ce n'est pas plutôt dénaturer un meuble, même si l'on pense bien faire, alors que préserver une perce ou une usure, à mon avis, a tout aussi son importance comme un tableau. Vous imaginez la Joconde, si on lui refaisait son œil tous les 100 ans, le visage qu'elle aurait. J'exagère un petit peu, mais dans le mobilier, c'est la même chose. Il faut respecter l'aspect extérieur, très important, intérieur, même chemin. Les couleurs, les patines, ce qui nous permet de comprendre la lecture d'un meuble. C'est là où on doit laisser le temps au temps pour l'expérience vis-à-vis du vrai et du faux. Parce que vous avez des faussaires qui ont refait des meubles avec des bois anciens ou des supports 18e, en s'appropriant de certaines techniques, en découpant encore au boc-fil, en utilisant des matériaux qui sont proches de ce qu'on utilisait au 18e siècle, qui prêtent à confusion, puisque certains se sont fait tromper, ont été trompés. Aujourd'hui, on est assez vigilant.
Vous parliez d'estampille tout à l'heure. C'est quoi une estampille? L'estampille, c'est une reconnaissance donnée à un artisan en fonction de sa réception à la maîtrise. Les premières années de la maîtrise, je crois que ça remonte au 15e siècle, me semble-t-il, de mémoire, devient obligatoire au 18e siècle, puisqu'on en parle bien souvent au 18e siècle, en 1751, après avoir été votée au Châtelet, en 1749. Il a fallu 2 ans pour qu'elle devienne obligatoire. Qu'est-ce qu'une estampille? C'est la marque au fer, correspondant au nom de l'artisan. Cet artisan venait déposer sur une chape de plomb son fer, réalisé au préalable, et le présentait à la commission dite de la Jurande. La commission, composée de 4 maîtres, passait en général dans les ateliers au 18e pour vérifier si le travail était conforme à la fabrication, à la construction, surtout aux règles de la corporation. Cette commission imposait l'artisan d'une certaine somme d'argent, qui était infiniment petite, mais c'était quand même un impôt indirect. On trouve sur des meubles, comme sur la commode Louis XVI, l'estampille de l'artisan, qui s'appelle Jacques-Laurent Cosson, qui reçoit sa maîtrise en 1765. À côté de cette estampille, on trouve un petit poinçon, un J, un M et un E, qui sont 3 lettres à coller, qui représente le passage de la commission dite de Jurande pour rendre le meuble conforme à la fabrication. À partir de ce moment-là, le meuble était donc commerciable. Il pouvait être vendu. Par qui? Par des marchands merciers, en général, par l'artisan, qui de temps en temps était artisan-marchand, mais aussi par les marchands tapissiers, qui eux faisaient office de commerce au XVIIIe siècle. On trouve sur des meubles de temps à autre, aucune estampille. Pourquoi? Bien, vous imaginez bien que cet impôt indirect, l'artisan lui-même n'attendait pas le passage de la commission pour lui donner quelques sols. Il avait besoin de le commercialiser rapidement. Ou alors, devait-il plutôt répondre à une demande d'un confrère qui lui était artisan marchand et qui avait besoin d'une commande spéciale et préférait mettre son estampille tout en faisant sous-traiter la production à X ou Y. Donc voilà ce qui est important de comprendre. Dans l'estampille, 1749, lettre au Châtelet, patente, votée, 1751, obligatoire. Elle est abolie en 1791. Certains artisans conservent leur fer. On trouve certains d'entre eux qui continuent à estampiller les meubles, peu, mais on en trouve quelques-uns. Est-ce que l'estampille était réservée aux meubles les plus précieux ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Tout artisan reçu maître se devait de posséder son fer. J'ai même en source d'archives quelque chose de très intéressant sur l'estampille. Lorsque j'ai fait mon mémoire à la CNES, puisqu'il faut un mémoire, eh bien, j'écrivais sur l'estampille. Et un de mes confrères me donnait un document très intéressant, relatant la vie de 2 artisans. Un qui avait réalisé, pour le compte d'un autre, une porte menuisée, parisienne, en hêtre et noyer, joliment menuisée, et à qui il offrait à son confrère pour son acte et sa réception de maîtrise. Et il avait mis un petit papier, des profondis à l'intérieur, souvenez-vous de moi. Ce n'est pas lui, mais c'est moi. Drôle, c'est l'histoire. Le cas intéressant justement de l'expertise, en particulier celui du siège. Dans le cas présent, nous avons un fauteuil d'époque Louis XVI, qui est en bois de hêtre, et c'est un siège qui auparavant était doré. Il a subi ce qu'on appelle des restitutions. Des restitutions, c'est-à-dire des manques de sculpture dans la frise de la ceinture, au niveau des feuilles de laurier que nous avons ici, du rang de perles, une partie de l'ornementation a été refaite. Alors, les questions que nous devons nous poser quand un siège est redoré, puisque sur la façade, le pied avant gauche, nous avons une maquette du siège redoré, qu'est-ce qu'une restitution dans une restauration et quel est le degré d'une restauration sur un fauteuil que l'on est en droit d'accepter en fonction de la définition écrite de l'expert. C'est très difficile. Quand le siège est doré totalement, comment peut-il vous parler? Il faut le radiographier. C'est la seule solution. Vous allez chez un spécialiste, vous en faites des radios. De ces radios,
au niveau des éléments suspicieux, il pourra vous en donner une grande précision. Un fait important, quand le siège est redoré. Le siège peut être repeint, c'est aussi la même chose, à base de colle de peau de lapin avec des pigments. Donc, dans une restauration, quelle est la partie visible et non visible d'un siège? C'est assez difficile. Où commencer? Restitution, modification, transformation. On refait, on reprend le bas des pieds, une partie avait disparu. On resculpte une partie de la ceinture, on restitue les petites rosaces. C'est un siège qui a retrouvé sa totale ornementation d'après documents, d'après traces, d'après ce qui existait. Mais c'est un siège qui, au niveau de la sculpture, a été repris pour à peu près 40 à 45%. Quand le siège est redoré, c'est invisible. Vous y mettez une très jolie soierie. C'est encore plus séduisant. Vous êtes dans le rêve. Quand vous quittez un petit peu le rêve, vous définissez un prix de vente. Et ce prix de vente, vous le définissez en fonction de ce qu'il est. Donc un siège comme celui-là, quand il sera redoré, c'est un siège qui va valoir 35, 40 000, 45 000 euros, si l'on veut, avec une jolie soierie, un joli tissu, si le siège était parfait. C'est-à-dire qu'après radiographie, on décèle des sculptures absolument irréprochables, totalement authentiques. C'est un siège qui vaut autour des 80 à 100 000 euros, peut-être même plus. Nous avons absence d'estampille, une trace est absolument infime. Je pense qu'au Lampuvé, nous pourrons la voir, je crois que c'est Georges Jacob, parce que c'est un siège que je connais depuis très longtemps. Mais voilà, où commencer, comment écrire une expertise, comment la présenter, savoir ce qui a été fait, et quels sont les éléments à utiliser pour présenter un siège. C'est ce qu'on appelle, au niveau d'une salle des ventes, les conditions de moyens. Le temps donné, les moyens donnés, sont matériels pour définir et authentifier un siège. Si demain ce siège est vendu à un amateur sans définir, ou avoir les propos qu'on pourra avoir ce soir, nous faisons faux bond, je dirais, à l'honnêteté. Nous oublions la plupart des éléments à définir. Ce propriétaire est en droit de revenir nous voir, éventuellement de nous demander de reprendre l'objet, le siège en l'occurrence. Donc on se doit d'être très précis. Donc la dorure, toujours prudent. Un siège est redoré, c'est mentionné. Une garniture avec un jaconnat dessous, qui est un tissu qui cache toutes les traverses, doit être mentionné. C'est quelque part un vocabulaire protecteur pour l'expert, qui doit être mentionné. Le client, éventuellement acquéreur, doit se poser les bonnes questions aussi, puisque la porte est ouverte, nous devons lui donner les bonnes réponses. On a donc des sièges à 35 000, d'autres sièges à 100 000, d'autres qui dépassent de très loin les barres des millions, mais vous vendez et vous accompagnez aussi des collectionneurs, des jeunes collectionneurs à des prix qui sont fort raisonnables. Oui. Alors l'exemple qu'on donnait auparavant sur le prix d'un siège dans l'état dans lequel il était, sur la valeur de 30 ou 40 et par rapport à un siège parfait entre 100 et 120, c'est un exemple que j'ai avec moi sous les yeux actuellement. En général, un bon siège du 18e siècle peut valoir entre 2000, 3000, 4000, 5000 euros, un petit peu plus. On a ce que j'appelle, on commence à acheter un siège intéressant. Dans ma clientèle, j'ai actuellement un jeune amateur qui est collectionneur et qui a cette démarche intellectuelle déjà, la première, d'apprendre à comprendre, historique aussi, de regarder et de savoir acheter ou d'apprendre à acheter un siège, pour ainsi dire, parfait, en dehors d'une garniture apportée. C'est-à-dire qu'on oublie les pieds greffés, on oublie les pieds hantés, on oublie des renforts malvenus à l'intérieur, des usures ou autres. Au niveau des sculptures. Donc ce monsieur a une démarche, il est venu vers moi déjà il y a quelques années et je l'aide. Et récemment, je l'ai aidé à acquérir une suite de 4 fauteuils en acajou, d'époque directoire, estampillés de Jean-Baptiste Demey, rue de Cléry, les 4 sièges, l'estampille certes un tout petit peu abîmée par un garnissage, mais parfaitement bon d'époque, parfaitement authentique. Et je lui ai vendu ces 4 fauteuils de mémoire 3600 euros. Voilà. Donc tout amateur est en droit, peut, à condition de vouloir faire la démarche, je dirais aussi peut-être de tomber en face d'une personne qui puisse l'aider à avancer, flatteur pour notre CNES, mais d'acheter meubles ou sièges à des prix encore accessibles. On a beaucoup parlé d'ébénisterie, d'expertise, et vous vouliez nous montrer cette commode 18e que vous allez présenter lors du salon. En effet,
C'est un meuble qui, à mon avis, est très intéressant. Il m'a été confié dans le cadre de mon courtage. Ce meuble a été restauré. Il a été restauré par son propriétaire à sa demande. Nous avons répondu à ses souhaits, qui étaient les suivants. Il souhaitait une finition relativement brillante, très rapidement d'ébénisterie et des bronzes dorés. Je lui ai présenté une dorure au mercure et une dorure au nitrate de mercure. Il a préféré le nitrate de mercure pour des questions diverses. Ce meuble est du début du XVIIIe siècle, peut-être même la fin du XVIIe, le siècle des Lumières, la période Louis XIV. Faste, décoration, d'ornementation, de bronze, bronze redoré, aussi bien dans les encadrements des tiroirs que nous avons ici, les poignées tombantes, qui sont de jolie qualité, avec un décor de gousse, les petites rosaces en feuilles d'acanthe, les entrées, qui elles commencent à nous prévenir du style légèrement rocaille, même si nous sommes encore de la période Louis XIV. Les volutes que nous avons en bas au niveau des pieds, signe de qualité pour la période Louis XIV, très important. Le culot, ce qu'on appelle le tablier, dans la partie basse également. Et les trois entrées, ainsi que les bronzes de chute que nous avons en façade. C'est un meuble riche, c'est un meuble d'apparat. La période Louis XIV, de temps à autre, nous présente des meubles un petit peu plus austères. Celui-ci est quand même, non pas dire royal, mais ça pourrait être une réponse à un désir de ce rang-là. C'est une production parisienne. Donc fin 17e, début 18e, nous n'avons pas d'estampille. Nous en parlions tout à l'heure, donc avant 1749, marqué par un style. La production, si on ouvre, est parisienne. L'ébénisterie très bien soignée. Les côtés, les tiroirs sont en chêne. Les fonds sont en chêne également. La serrure est d'origine. Tout est bien d'époque sur ce meuble. Et on pense de temps en temps à faire ou à donner quelques attributions. On peut parler d'un artisan qui s'appelle François Lieutot, dans les années 1700, qui a réalisé des meubles de cette qualité-là, et nous pouvons penser également à une famille importante, mais peu connue, de la période Louis XIV, qui s'appelle les Caudron, C-A-U-D-R-O-N, qui sont des gens célèbres, qui étaient fournisseurs du garde-meuble et qui nous ont laissé des traces très intéressantes. Le dessus en marbre est un marbre rouge des Flandres. On parlait bien naturellement des marbres d'Italie à une période, et finalement ces marbres sont venus concurrents de cette pierre ou de ces blancs que l'on avait en Italie. On en a fait commerce, on l'a énormément utilisé à Paris. Aucun accident sur le marbre lui-même. Il est mouluré, ce que l'on appelle d'un bec de Corbin, tout à fait bon, d'époque et d'origine. Ce qu'on appelle un meuble de collectionneur ou de vrai amateur. Je vois les dorures, elles m'ont l'air particulièrement fines avec les anges d'eau. Ici, oui, c'est joli parce qu'elles sont brunies. Elles sont mates et brunies ici. Là, c'est très beau, intéressant. Et puis les petits profils que l'on a de chaque côté, les petits amatis sont parfaits. Et la mouluration est belle, ce sont des ovres, hein. Plein néoclassique, jolie poignée. Enfin, on sent une fraîcheur dans la dorure, c'est présenté tel. Il y a une jolie commode. Hop, on regarde. En termes de bois, à l'intérieur, c'est de l'acajou. En bois intérieur, non, c'est du chêne. Et les supports sont sapins. N'imaginons pas trouver des chênes tout le temps dans le mobilier français du XVIIIe siècle. On en trouve de temps à autre sur les meubles d'une très grande qualité. Mais vraiment très grande qualité. On peut parler d'André Charles Le Boule, on peut parler de Charles Cressan, et encore. On peut parler de Bernard von Riesenburg Ier aussi. Mais là, dans le cas présent, ce sont des bois qui sont des sapins. Au niveau des supports côtés. Ouais. Et le plaquage que l'on a est un plaquage de satiné, d'ailleurs joliment moiré, avec des filets en amarante et des bois de houx, pour les parties les plus claires, dans la partie losangée. Y a-t-il autre chose à dire sur la commode, sur ses particularités? Les bronzes et l'ornementation, ça c'est un élément important dans notre meuble. Les bois et son décor de plaquage losangé, un décor géométrique, ce n'est pas un décor floral. La production est parisienne. Le support, sapin pour les côtés, chêne pour l'intérieur de nos tiroirs. Les serrures, elles, sont d'origine. Tout est bon, c'est parfait. Les pans que nous avons qui sont arrondis, avec cette large cannelure que l'on a verticale, ici, plaquée en laiton. C'est une feuille très fine de laiton. Ce n'est pas doré, c'est juste poli. Et la descente de chute que l'on a ici, avec les sabots très puissants, involutés à l'intérieur, très marquants de la période Louis XIV. Alors les côtés sont plus classiques, avec un décor losangé, mais l'intérêt vient quand même en façade.
et le marbre dont nous parlions, qui est un rouge des Flandres, hein, des carrières qui concurrençaient les marbres d'Italie. Et on trouve énormément de marbres qui viennent de ces régions. Gris des Flandres, rouge des Flandres ou gris coquillé. Voilà un petit peu le meuble en général. Et le nom, pour parler d'un ébéniste, la production certes est parisienne, probablement un artisan comme François Lyoteau. On aurait pu parler de Noël Gérard aussi tout à l'heure, qui estampille avec le monogramme NG. Cet homme était artisan et marchand. Et je pensais aussi à la famille des Caudron, qui sont des fournisseurs du garde-meuble dans la dernier quart du XVIIe siècle. Voilà, alors comme le meuble n'est pas estampillé, comme je n'ai pas de source d'archives, je ne peux que présenter une hypothèse concernant cette production. Une question de Béotien. Est-ce que vous avez une idée du nombre de commodes de cet acabit qui a été produit à l'époque ? Vous posez une très bonne question. On fait toujours un comparatif lorsque l'on possède quelque chose qui nous paraît être important ou d'une grande qualité. On peut référencer peut-être une bonne centaine de commodes. Peut-être pas 100 marqués avec des encadrements de bronze de cette façon, mais concernant la forme qui est légèrement bombée, élément caractéristique de la période Louis XIV ou de la Régence, mais la période Louis XIV. Les bronzes avec des décors involutés, on en trouve un petit peu. Certes, grandes collections ou musées internationaux. L'ornementation de façade, des poignées tombantes, elles sont assez classiques, parce que c'est un modèle qui est répété. Le décor plaquage en losange, on pourrait le trouver avec une marqueterie florale ou alors avec un bois dit de fil, tout simplement, avec juste quelques filets. Donc je pense, quand je dis une centaine de commodes, peut-être pas 100 de cette qualité-là, mais 100 ayant des caractéristiques assez proches de ce modèle. Qu'est-ce qui, pour vous, différencie votre métier des autres sources d'achats possibles courantes que sont les maisons de vente ou Internet? Qu'est-ce qui vous différencie? Ben, notre personnalité, hein. Nous sommes des individus, qui avons une passion animée. Notre chemin, nous le faisons nous-mêmes. À la demande, nous essayons de répondre au service. Ça, c'est une chose. Mais sinon, nous avons un chemin que nous avons choisi. Il y a presque un petit fond d'idéologie, quelque part dessous, en disant « j'aime, je veux faire, j'ai envie ». Il vous apporte énormément de choses, des satisfactions, des rencontres humaines, des rencontres avec l'objet, des rencontres avec des meubles. Et tout ça, c'est une richesse dans la vie. Voilà ce que je peux vous dire, quelle est la satisfaction de notre profession. De bien faire, certainement, artisanalement, partager avec mon équipe, mais sur le plan réellement professionnel, c'est l'échange. L'échange, la communication, la communion. Je vous parle d'une commode, et à la fin de la conversation, vous allez sans doute me dire « Mais monsieur, c'est passionnant ce que vous m'apprenez, mon grand-père avait la même. » Et on va parler de votre grand-père et de sa vie. Et vous allez me dire à quel moment il l'a acheté, quand est-ce qu'il l'a revendu. Voilà un peu la vie de l'objet, et l'échange qu'on peut avoir.